Hey hey hey, Kiki mes petits et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne. Je vous accueille en fanfare avec double cri de mioche qui hurle. Quoi, vous en aviez pas encore assez eu la semaine dernière? Bah moi je vous en redonne une couche, hein? Allez, non mais là ça va plus du tout. Donc on va réveiller maman qui va s'occuper de son fils et papa qui va s'occuper de sa fille parce que là plus rien ne va et je vais bientôt péter un câble parce que trop c'est trop. Fermez votre tronche, les enfants. Sinon, le congélateur vous attend. Ah oui, ça va déjà mieux d'un côté. Ah, bonheur assuré, la paix retrouvée, le bonheur des oreilles. Ah. Oh non, sérieux. Il retourne à peine au lit. Que Angel, il est en train de hurler. Ah! Ah bah d'accord, on n'a plus d'électricité maintenant. L'animal poule blanche, la vache. Oh là là, mais c'est la débandade. C'est le bordel. C'est l'enfer. Il est 10h du mat. J'ai rien dit. Mais tu veux quoi toi en fait? On vient de te nourrir et tout. Oh là là, bon ben relève-toi. Et puis ça va être l'heure de manger, de s'activer. Tout ça. Quel bonheur, puisqu'en plus l'orage est parti. Et il y a toujours pas mal de choses à faire avec les animaux qui sont à moitié vieux, à moitié morts. Ah oui, c'est vrai que j'ai changé dans j'étais là, mais il est vachement grand mon poulailler. J'ai oublié que j'avais changé aussi la disposition. Oui, le coq, on arrive, t'inquiète. Oh là là, et les gosses qui chialent et qui font que ça. Mais quel enfer! Et vous savez quoi? Il y a encore un bébé qui pleure. Encore! Mais on vient de s'occuper de toi et tu te chies dessus. Mais c'est pas possible, mais il s'arrête jamais ce gosse. Et je vous jure, hein, lui il va finir vraiment quelque part, mais alors pas là où il faudrait qu'un enfant finisse. Hein. Mais il rechiale! Mais c'est une blague et tu lui as pas changé le cul! Oh, j'en peux plus de vous. J'en peux plus. Mais il rechiale! Mais quoi? Mais ça marche plus, changement de couche? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire, les Sims? Allô? Allô? Mais quel enfer! Mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Et c'est que le début de l'épisode et puis vous devez dire bambin. Bon bah on doit s'occuper des animaux, sauf que là il y a des orages qui arrêtent pas d'exploser, ça commence à être chiant. Diane elle a envie de parler aux lapins, parce qu'on a 40 lapins sur le terrain. C'est cool, je suis ravie. Vive la campagne et vive les orages. J'ai cru que ça m'avait cramé un arbre. J'ai l'impression que mes poules, elles sont buggées, wesh. Malheureux. Oh bah oui, vous avez faim. Bah, Cécile, il arrive, hein. Il va venir vous donner à manger. Un peu compliqué avec l'orage, hein. Vous savez, les Sims, ils sont pas très disciplinés. On a ramassé 6 œufs. Ça, c'est cool. On va pouvoir aussi peupler le nouveau poulailler. Je vais faire un nouveau couple poule-coq ici, peut-être. Ouais. Je vais voir. Mais Cécile, tu me fais quoi, là, dans la boue? Mais n'importe quoi. Bah ah oui, tu pues. Bah va te laver, gars. T'as donné à manger aux poules? Ouais, vas-y, vite fait. Allez, va te prendre une bonne douche, ça te fera du bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des infiltrations, là. La toiture... oui, bon, la toiture, elle a pas été refaite entièrement, mais bon. Quand même. Ouais, puis il y a encore des fissures un petit peu dans la maison, hein. Ça, c'est pas cool, hein. C'est peut-être ça, il y a peut-être des infiltrations. Ah, que je suis bête, j'ai 6 bouteilles de lait qui ont gâté dans l'inventaire de Cécile. Du coup, ben, poubelle, hein. Poubellasse, si on y arrive. Parce que... Voilà. Ah oui, d'accord, c'est une par une. C'est bien le jeu. C'est pratique. On a que ça à faire, tiens. Oh, regardez cet incroyable petit point de croix vache que Diane a créé. Il est médiocre, mais pour moi, il est déjà très mignon. Très enfantin, mais très mignon. Ah, ça y est. L'orage a cessé. On va pouvoir venir s'occuper des animaux. Tu vas appeler la vache. On va s'occuper un peu d'elle. Notre vieille vache. Et remettre à manger pour les poules, tout ça, parce que bon, les orages c'est sympa, mais c'est mieux quand il n'y en a pas. Et on va acheter un lama aussi d'ailleurs. Voilà comme elle est belle notre vavache, tu vas aller la laver, tu vas lui faire donner de l'amour, hein. Tu peux pas lui donner de l'amour, tu peux la caresser. Ouais, tu peux lui donner une friandise si tu as, non tu n'as pas. Voilà notre petite vavache, oh bah ça va mieux hein. Quand même, c'est quand même vachement bien comme ça, hein, que tu es belle et douce, hein. French main. Cécile, je pense que tu n'as pas donné à manger
Elle a faim. À mon avis, elle va pas vouloir. Si, c'est bon, t'as pu traire. Mais tu lui as pas donné à bouffer, je lui ai donné. Je t'ai demandé de la nourrir. T'es chiant. Comment ça, tu peux pas lui donner? Bon, bah, tu remplis la mangeoire, ça ira tout aussi bien. Et nous avons des bébés qui pleurent. J'en ai marre. La chorale de l'enfer a repris. Ouais. Et en plus de ça, l'orage reprend. Je sens que ça va tout bien se passer cet épisode, je le sens. Et c'est reparti pour un tour. Eden qui repleure, je ne sais pas pourquoi. Elle commence à me casser les noix. Allez, on va avoir quelques secondes de répit. Ils dorment tous les deux. Oh, Angel a vieilli. Et sa petite sœur aussi. Et donc Angel aura le trait de caractère 1, 2, 3. Indépendant. Yes. Ah, ça, ce que j'aime, ça, c'est ce que j'aime. Et donc, Eden également 1 et 2 et 3, pot de colle. Oui, ben, l'un et l'autre seront complètement différents. Mais fais-moi voir ça. Fais-moi voir l'étendue des dégâts. Nous, alors, on dit, heureusement qu'on sait qu'il y a une fille dans le lot, parce qu'on ne le verrait pas forcément. Le petit gars a donc les yeux verts et les cheveux bruns. Et la sœur a les yeux bleu clair et les cheveux bruns. Bah, finalement, au niveau couleur de peau, c'est kiff-kiff, hein, quand même. Il n'y a pas trop de différence. Pour moi, c'est les mêmes, mais ils ont l'air très très mignons. Voilà, ça y est, l'enfer des bambins va donc commencer. Yes. Et ça commence. Elle est déjà en train de taper les crises, mais qu'est-ce que t'as? Elle est, mon Dieu, j'ai peur de l'orage. C'est horrible, l'orage, c'est pas beau. Ouais, bah, c'est comme ça. Et attendez, pourquoi? Les lumières, on n'a pas payé les factures. J'ai oublié. Allez, bah vas-y Cécile, hein, tu es l'homme, tu payes les factures. Oh, parce que là il fait un peu sombre dans la maison quand même, j'avais pas encore remarqué. À la boulette. Quelle idée aussi de grandir quand c'est en plein orage, hein, sale gosse. Ah, j'ai encore le bug d'Eden qui vieillit, ça veut dire qu'on a un berceau gratuit. Ouais. Allez Diane, serre le manger, on va pouvoir envoyer les gamins manger également, ce sera pas mal. Puis allons-y gaiement, hein. C'est vraiment le repas ce soir, tout le monde mange les raviolis aux légumes. Et lui il est parti sous la flotte. Il manquerait plus qu'il se prenne l'orage sur la tronche là, un petit coup de foudre là. Mais tu vas aller manger où? Ah non 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 non. Mais va manger là. Mais tu vas aller où là? Tu vas aller sur un ballot de pain qui est à l'autre bout du monde ou quoi? Les gosses. Puis alors, surtout qu'ils ont une démarche complètement buggée maintenant, je vous jure, c'est magnifique. Hein. Bon, ben, il est quand même minuit et demi, il va falloir penser à caser les enfants. Ça veut dire acheter des lits, acheter un pot aussi. 295 simflouzes. On n'a jamais été autant dans la merde, ouais. Non, non, vous me prenez pas. On est plutôt sur un air de camping. J'ai pas beaucoup de place pour mettre les lits. C'est impossible à l'étage. Il va falloir se faire de la maille, là. C'est compliqué. En ce temps-là, Angel va au pot et Eden le regarde faire. Mais Eden, bon, bah, elle va se pisser dessus, certes. Mais tu vas manger, en fait, t'as pas mangé du tout. Et tu vas dormir. Mais on a Gaston qui commence à squatter les lits des bambins. Au secours, au secours. Saloperie de chat. Non mais allô? L'orage qui tape limite à l'intérieur de la maison là. Ça ne va pas du tout hein. On va falloir se calmer hein. Ah, bien sûr, les poussières sont revenues. Eh ben, je crois que Diane avait besoin d'une bonne douche bien fraîche. Hein, parce que je lui ai demandé d'aller se laver, elle a choisi cette douche là. Écoutez, on fait ce qu'on peut hein. Comment ça l'animal poule noir envisage de partir? Mais non, mais non, mais non. Ma petite poulette. Oh, mais non, va venir s'occuper de toi. Allez, viens. Ouais, la vache, je suis complètement d'accord avec toi. Exactement, je suis d'accord. Il faut qu'on s'occupe absolument des animaux, là. Ça ne va plus. Les gosses nous ont pris trop de time. Voilà, un gros câlin à la poupoule. Et ça ira mieux. Enfin, j'espère... Elle est toujours malheureuse, hein, par contre. Tu peux lui donner... alors, au lieu de dépenser de l'argent qu'on n'a pas avec l'étoile, tu peux lui donner une friandise un peu. Une friandise amicale. Allez, vas-y. Comme ça, elle voudra rester quand même. Parce que là, c'est n'importe quoi. Oh, oh,
Oh, nous avons un loup. Tu vas chasser Canel. D'où il a réussi à rentrer celui-là. Saloperie de loup. Non, pas un loup, renard, punaise. Mais pourquoi je fais toujours cette stupide intervention comme ça? Je ne sais pas. Bon, bah vu qu'on n'attend de rien, on va quand même acheter un animal. On va acheter un lama maintenant. Allez, un petit lama blanc, voilà. Ah bah non. Bah non, on n'a pas l'argent. Je suis un peu bête des fois. Bon, et bah écoute, tu vas t'occuper du jardin. Et tu vas désherber et tout, parce que là, il va falloir qu'on aille au village. Nous sommes pauvres. Ah non, j'en ai marre de ces renards, mais j'en ai marre. Ah, j'ai dit renard par contre. Ça va mieux. Ah Eden, tais-toi, occupe-toi. Je crois que le chat a miaulé pour les réveiller. Ouais, c'est ça. Ben, on va aller t'engueuler, le chat. Ah, Gaston, ça va pas, hein? T'es jaloux? Tu sais que tout à... Oh, il a pas de nez, ce chat. Il aurait pu s'appeler Voldemort. Je pense que ça aurait été la même chose. Le chat qui fait ses griffes, c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi je prends des animaux dans les Sims? En fait, c'est un peu comme chez moi. C'est-à-dire, vous avez un nouvel animal, il fait que des conneries. Moi, c'est Jamie qui fait des conneries. L'animal poule blanche envisage de partir bientôt. Ah, et au moins Gaston a arrêté de faire ses griffes. Quelle bonne nouvelle! Et on a encore un renard dans l'enclos. C'est bon, il s'est barré. Tu vas où, Eden, là? Tu veux aller voir le renard? Qu'est-ce que c'est, le renard? Ah oui, d'accord. Ah bah, heureusement que le renard, il va vite, hein, parce que toi, tu peux attendre longtemps avant de l'atteindre. Oh! Encore le bug du berceau, douda, douda, ça nous donne des pesetas, oh, douda day. Et non, là, qu'est-ce que tu nous fais? Oh, petit con! C'est un petit con! Papa va pouvoir l'engueuler. C'est n'importe quoi encore une fois là. Je n'en peux plus. Ça va être l'enfer. Discipliné, calme. Dire de ne pas mettre le bazar. Bah vas-y, bah viens voir papa qui fait caca. T'as bien sûr. C'est logique, non? Bon, pendant qu'Eden fait caca, on va nous essayer de faire des conserves là, parce qu'il y a besoin. Il y a besoin de faire de la thune. Parce que sinon... Quoi? Mais pourquoi? Tu sais pas sortir de la salle de bain? Il y a quelques soucis hein, sur cette maison, quelques-uns. Ah, bah maintenant c'est Angel qui va aller voir les oiseaux. Il se demande ce que c'est, les oiseaux. Bah c'est bien à la limite, ça éveille nos enfants. Oh, des œufs pouvant éclore, nous en avons deux. Oh, le petit couple dans son nouveau poulailler va nous faire plein de petits bébés. Hein. Ils ont bien copulé cette nuit. Même les bambins, ils peuvent avoir quelques interactions avec les animaux, donc c'est bien, il va y aller. Et bah il reprendra peut-être la ferme quand il sera plus grand, le petit Angel, on ne sait pas. Hein. Oh, il peut même caresser la vache. Trop mignon! C'est trop chaud. Diane m'a cassé la gazinière. Doula, da, doula. On peut donc plus faire à bouffer. Da, doula, day. Oula, je suis en train de me dire, il est déjà 18h passé. Tu arrêtes de réparer. On va aller tout de suite au village parce qu'il faut qu'on vende nos prods. Parce que là, on n'a plus un rond. Alors, vite, 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 vite. Je mets sur pause et on va aller voir notre ami Kim. Salut Kim, comment vas-tu Kim? T'es vachement sympa Kim, tu sais qu'on t'aime bien. Ouais ouais, on va complimenter ta tenue, ouais. Et puis on va marchander direct. Parce que là, il faut pas, voilà, 302 simflouz. On a besoin de faire une chambre pour les enfants. Ça devient urgent. Oui, elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui. Et ça c'est bon, allez hop, on vend tout. 18h30 pour 19h. Ça va aller. Alors on vend tous les champignons. Et champignons épicés, de toute façon, on va récupérer des champis en chocobet. Je crois qu'on en récupère un peu aussi. On va vendre nos conserves. Nos conserves. On va voir si je vends tout, vraiment, parce que... Genre même les engrais qu'on a récupérés. Les substituts de viande, on vend. Les plasma fruits, on vend. Bon, ça va, on récupère déjà 1600 simflouz. Ouais, bon, on va les engrais super vitalité, on va tout virer des nos engrais. Ça fait monter à 2008. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut envisager un peu l'avenir comme ça. Voilà, c'est bon. Je suis rassurée, on peut rentrer. On est rentré, ça y est, ça y est. Tu vas enlacer ton enfant. La petite, elle dormait, non? Bah, retourne faire une sieste. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Toi, tu vas me réparer la gazinière stuple. Diane va s'occuper un peu de ses gosses. Un peu, mais vraiment genre un peu. Je pense que je dois avoir des bugs parce que genre elle est malheureuse et elle a très faim. Alors que, ben...
En fait, je lui ai déjà donné des trucs. Il y a déjà à bouffer. Donc elle déconne. On va lui donner un peu de friandises végétariennes. Je sais pas ce que ça va faire, à part un œuf vert, peut-être. On verra bien, hein. Tant qu'à faire. On est monté à 3000, ça veut dire que je vais pouvoir acheter mon petit lama. Voilà. Oh, lama, comme c'est merveilleux. Il est beau, il est grand, il est fort. Et il est à côté du poulailler. Donc pour niveau des renards et tout, j'ai fait exprès, ça devrait le faire. Donc on y croit. Et mec, ce lama m'éclatera toujours. Il a une tronche et les animations qu'ils lui ont fait faire, ça me fait mais marrer à chaque fois. Trop mignonne, interaction. Est-ce que tu peux déjà le tondre ou est-ce qu'il va pas être content? Ouais, ça devrait le faire quand même. Ah, il s'en va! Bah regarde, elle est en train de te taper la meilleure danse de sa vie, là. Bon, bah tant pis. Et lui, je le laisse tout seul, il est parti faire sa sieste. Alors regardez-moi, il y a un bordel monstre dans la maison, quoi. Non mais, Cécile, rien ne va. Ça fait très longtemps, mais... Oh! Pour s'échapper du quotidien... Eh ben, il a pris un coup de vieux, Michael Bell, mais il vient d'aller fouiller sous Sophie. Ah, il nous a peut-être laissé un petit truc sympa. En tout cas, oui, parce que la dernière fois qu'on a été, je pense que c'était largement avant de rencontrer Cécile et compagnie. Oh non! Oh mon Dieu, je peux pas, je ne peux pas. J'avais oublié que la poule allait mourir. Je peux pas. Oh! Zen Shirley, c'est pas grave. Regarde ce que tu trouves. Décompose pièces de robot. Ah non, peut-être ça. Du Tristum. Ok. Bon, bah nous, on n'a pas grand-chose à y foutre. Tu vas y mettre... une tombe. Tombe de papa, une tombe de papy, une tombe de mamie. Peut-être pas. Un petit tirage médiocre. Une framboise, une carte... En vrai, une carte postale. Une carte postale de la clairière forestière. On s'en sert pas. Allons-y. Allez les enfants, un peu de patience. Papa fait à manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu babilles pour papa? Laisse-le tranquille, va. Va babiller avec ton frère plutôt. Lui, il a plus l'habitude. Ah, c'est tellement petit cette maison. Il y a tellement de choses à revoir. On peut même pas mettre la bouffe là. C'est vraiment naze. Bon, bah vas-y, hein. Appelle, hein. C'est bon, tout le monde peut venir dîner. Bon, après, il est un peu minuit 22. Donc pour des gosses, c'est clairement pas l'idéal. Mais bon. Et Diane, elle est toujours pas rentrée. Elle se traîne, elle est fatiguée. Eh les gosses là, pas la peine de taper des crises, vous allez dormir, vous êtes fatigués quoi, wesh. Mais c'est quoi ces gamins là? C'est des fous furieux ou quoi? Ouais, je suis fatiguée, je vais dormir. Bah dors. Parce que moi je tape une crise comme ça moi. Oh, c'était le jour de la loterie. Eh ben je l'ai même pas vu. Je vous jure, j'ai même pas vu que c'était le jour de la loterie, sinon j'aurais tenté ma chance. On serait peut-être millionnaire à l'heure actuelle. Tché! Ah oui, j'avais mis la litière là pour le chat. Elle est dégueulasse maintenant. Attends, s'il te plaît, Gaston, on va y remédier. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, elle est un peu loin. Et puis merde, tu vis dans la campagne. Pourquoi tu vas pas faire ça dans les plantations et dans les fougères? Oh, tête de con, le Gaston. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chat qui dort avec le lapin à côté. Mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. On dirait qu'ils sont en train de faire un câlin ou un kamasutra, au choix. C'est bon, la litière va être propre pour notre petit chaton. Et Diane, une fois que t'as mangé, bah, tu pourrais te coucher. Hein. Je pense que là, une bonne nuit de sommeil te fera du bien. C'est super comment tu jettes, toi, les choses, Cécile. C'est pas une excuse d'être fatiguée. Hein. Tu me fais le ménage mieux que ça. Hein. Non mais dis donc. Bravo! Allez, tu as ta récompense. Effectivement, c'est le petit lit douillet à l'étage avec ta dulcinée. Ah, et tu rêveras sûrement que cette vidéo dépasse les 1000 vues, que tout le monde like, évidemment, et que tout le monde laisse un commentaire. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des charmantes campagnes ou d'autres choses sur la chaîne. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!